Ma Mission TV, le miroir du monde. Batomi balé oyo bozoko mona bango bazali bato ya mabé, c'est-à-dire bango mayele na bango bati yango na service ya mabé basili ko escroqué bambonge belé et pa ya bato pe ba victime ezali mingi mingi bakonzi ya politique bango batamboli na kombo ba kombo ya lokuta pe ba qualité ya lokuta ndakisa coordonnateur ya structure dénommée bourse d'émergence faculté bourse émergence fati en partenariat na Union européenne kaka bango ba kotinde la yo message na kombo ya coordonnateur Benin Kiere Mbokoso, directeur Benin Kiere Mbokoso, conseiller juridique de la première dame, assistant et secrétaire du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Niembo Guilin. Pour son téléphone portable de marque Techno Spark 5, il a stocké plusieurs éléments séditieux fabriqués et adressés à certaines personnalités du pays. Donc pour des raisons sécuritaires, nous nous réservons pour citer leur nom. À côté de la ville, on a un message. Et dans un message, on a un message. Puis, on a la proposition. Il y a une bourse d'études, un visa. Puis, on a une audience. On a une autorité qui est la présidence de la République. Il y a le premier ministre. Ma membre du bureau du Sénat, de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la province. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour.
provincial, il y a police, il y a ville, il y a Kinshasa, et outil kotia maboko, na ba escro mi balé oyo, bozomo na na ba télévision. Yali boso, kombo na ye, Nkieri, Mbokoso, Beni. Ye, abotami na Mwanda, le 19 novembre 1994. Azali, moko ya territoire ya Inongo, na province ya Maindombe. Awa na Kinshasa, avandi na Avenue Kimbao, numéro 145, na commune ya Makala. Yami balé, monsieur Bachoke Chichura Alain, ye, abotamina Njove, le 19 octobre 1988, azali moko ya territoire ya Walungu, na province ya Sud Kivu, awa na Kinshasa, avandina Avenue Nguma, numéro 202 bis, quartier Joli Park, na commune ya Ngaliema. Bato mi balé oyo bozo komona, bango, bazali bato ya mabe, c'est-à-dire, bango, mayele na bango, bati yango na service ya mabe. Pe bazako, basili ko escroqué, bambongo belé, epai ya bato. Pe ba victime ezali mingi mingi, bakonzi. Il y a politique, administration, paix privée. Bato oyo mi balé, kobanda mois de janvier, yamboula oyo, de babandaki, makamuna bango ya mabewana, kotinde la batu ba message, na numéro, lokola 082 900 4447, pe 099 30 130-61. Par continuer la bino, par message. Et dans le message, Johanna, par ça, qu'on s'en bambongo, puis, qu'on s'en la proposition, il y a ma bourse d'études, ma visa, puis, qu'on s'en a ma audience, na ma autorité, d'Akisa, la présidence, la République, la premier ministre, ma membre, ya bureau, ya Sénat, ya Assemblée nationale, puis, gouverneur, il y a ma province. Ma comportement wana, et ça là qui passe mingi na ba konzi, talatina, ma service technique, il y a communication, et sungi biso, nde to evi kotia maboko na batumi bale oy, bozo mona. Pe, ba téléphone, numéro oy, na outi koloba ya téléphone, et pe sa ki biso kombo, ya tata oy, na kom, Benin Kiere Mbokoso. Ye na bokosamba na ye, de a yebaki koyebisa biso te, ye pe azalaki victime epai ya moninga na ye, na kombo ya Bachoke Chichura Alain. Ye nde servo moteur. Bato oyo mi balé, bazwi bambongo ebele, na kokosaka population. Bango batamboli na kombo. Ba kombo ya lokuta, pe ba kalite ya lokuta, ndakisa coordonnateur ya structure denommée bourse d'émergence faculté, bourse émergence FATI, en partenariat na Union européenne, kaka bango ba kotinde la yo message na kombo ya coordonnateur Benin Kiere Mbokoso, directeur Benin Kiere Mbokoso, conseiller juridique de la première dame, assistant et secrétaire du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Niembo Guilin, professeur ya droit na université de Kinshasa, coordonnateur national ya groupe de soutien na professeur Eberand Kolongole, Kakabango Motoyo Totangi Komboyo Bachoke, Azoko se présenter comme magistrat, et Kakaye comme avocat na barreau ya Kinshasa Gombe. Ba titre nyonso oyo na
tangeli bino ba document ezali wana na mesa presse bokozu yango po population ba mona batomi bale oyo bazui misolo ya bato ebele bato mususu bakomisi bango ba faux DG bato mususu na ba fonction lolenge na lolenge bato mususu ba mbongo ebele pona ndenge na uti koloba pona bourse d'études moya kotanga bakombo nyonso na misolo wana ezali te comportement na bango yango nde etindi biso tokoka kokalifie ba infraction ya escroquerie ya faux usage de faux ya falsification de sceaux ya association de malfaiteurs pe usurpation de fonctions publiques yango wana na comportement ya modèle oyo mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa azali kokebisa na population oyo nyonso mbala nsima bakobenga ye na baprocédure ndenge touti kotanga awa ahésite te mpona kokontakte baservice ya la polisi ndakisa département na biso ya renseignement généraux pe lisusu agence nationale ya renseignement oyo tobengi na mokuse ANR parce que baservice wana ezalaka makasi mpona kolandela bato na banimero pe kotia maboko na badongolo miso oyo lokola mibale oyo tozotalisa bino pe nsima ya kotalisa bino bato oyo mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa apesi mitindo mpo te bato oyo mibale tomema bango nokinoki na parke ya grande instance kuna bamagistrat basala mosala na bango pe bakoka kopesa etumbu oyo ezali exemplaire mpona bato oyo mpona mabe oyo bango basali merci ces deux escrocs que voici Monsieur Nkieri Mbokoso Beni Tombola Loboko ressortissant du groupement Basengele territoire d'Inongo dans la province de Maïndombe gradué en électronique industrielle de l'ISTA. Il est sans emploi. Il réside au numéro 145 de l'avenue Kimbao, quartier où elle est, dans la commune de Makala. 2. Monsieur Bachoke Tshishukra Alain, alias professeur René, né à Nzove le 17 octobre 1988, territoire Walungu dans la province du Sud Kivu. Il réside au numéro 202 bis avenue Nguma, quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema. En effet, au cours de cette année 2021, et c'est depuis le mois de janvier que plusieurs paisibles citoyens se sont vus appeler par WhatsApp par des numéros, des inconnus tels que plus 243 99 30 130 61 et plus 243 82 940 47 soit pour leur demander des sommes d'argent en échange d'engagement
soit bénéficier d'une bourse. Bénéficier d'une bourse émergence FATI, soit bénéficier d'un visa ou les audiences auprès des autorités de la présidence de la République, du Premier ministre, des membres du bureau du Sénat, l'Assemblée nationale, gouverneurs des provinces et j'en passe. Ce phénomène devenant de plus en plus inquiétant, le service spécialisé et la police nationale congolaise ont entrepris des recherches en vue d'en dénicher les auteurs. C'est ainsi qu'avec l'aide de services techniques, les numéros précités ont été décryptés et ont donné les résultats suivants. L'utilisateur de ces deux numéros a été identifié au nom de Benin Kiere Mbokoso, qui est devant vous. En date du 6 juillet 2021, le sien Kiere Mbokoso a été interpellé. Et ce dernier a connu M. Bachoke Alain à travers les réseaux sociaux sous le pseudo de Prof René, où ce dernier avait publié des offres d'emploi et demandant à ceux qui s'y intéressaient de lui apporter leur curriculum vitae, deux photos passeport, la photocopie de la carte d'électeur et la somme de $80. Intéressé par la chose, il a remis à M. Bachoke Alain son dossier complet, demandé ainsi que $80. C'est dans ces conditions qu'il a été recruté dans les réseaux mafieux en septembre 2020 par M. Bachoke Alain, alias Prof René, et a participé à plusieurs réunions de contact entre membres sous la conduite du Prof René en personne, dans les communes de Ngaba et de Lingwala. M. Bachoke Alain, alias Professeur René, c'est bel et bien lui le cerveau moteur du réseau, comme modus operandi du réseau dirigé par le sieur Bachoke Alain, alias Professeur René. Le sieur Bachoke a utilisé plusieurs artifices pour s'octroyer de grosses sommes d'argent auprès de ses victimes, notamment de faux noms, de fausses qualités, en employant de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir, d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance, la crainte d'un succès, d'un accident, de tout élément chimérique ou encore pour abuser autrement de la confiance et de la crédibilité. En espèce, le sieur Bachoke Tshishura Alain a utilisé plusieurs qualités, telles que coordonnateur de la structure dénommée Bourse Émergence Faculté, en partenariat avec l'Union européenne. Directeur Benin Kiere Mbokoso, conseiller juridique de la Première Dame, assistant et secrétaire du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Niembo Mbuizia Guilin, professeur de droit à l'INIKIN, coordonnateur national du groupe de soutien au professeur Eberhard Kolongele, magistrat, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe.
Au nom de l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, M. Niembo Guilin, M. Bachoke Chisura Alain, il a mis en ligne sur son compte Facebook des informations sur une prétendue offre de bourses d'études à l'étranger intitulée Bourse Émergence Fatih, à partir desquelles il a escroqué plusieurs jeunes naïfs en se faisant remettre non seulement des dossiers de victimes en ligne, mais aussi des sommes d'argent par transfert M-Pesa et Airtel Money, prétextant amorcer des facilitations auprès des services publics de l'État ainsi que des ambassadeurs des pays d'accueil. C'est d'ailleurs avec la carte d'électeur de M. Nkieri Mbokoso Beni, la carte est là, devenu par la suite son complice, qu'il a abusivement utilisé pour retirer lors de transfert des sommes d'argent lui envoyées dans ce compte M-Pesa au numéro 082 900 44 47 et Airtel Money 099 30 130 61. Il a reconnu être propriétaire de 4 téléphones cellulaires de marque suivante saisis lors de son interpellation. Les 4 téléphones sont bel et bien là. Dans sa boîte messagerie WhatsApp, pour son téléphone portable de marque Techno Spark 5, il a stocké plusieurs éléments séditieux fabriqués et adressés à certaines personnalités du pays. Donc pour des raisons sécuritaires, nous nous réservons pour citer leur nom. Plusieurs faux-sceaux fabriqués ont été trouvés également dans sa maison, les faux-sceaux. Lors de la perquisition effectuée par les OPJ, ainsi que des paquets de papier en tête, des associations sans but lucratif et organisations non gouvernementales, non reconnues, créées de toutes pièces pour se faire remettre des sommes d'argent auprès de paisibles citoyens. C'est ainsi que les actes posés par M. Bachoke Chisura Alain, alias professeur René, et son complice Beninkiere Mbokoso, constituent les infractions ci-après. L'escroquerie, frais prévus et punis par l'article 98 du Code pénal congolais, Livre 2, défaut et usage de faux, fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, Livre 2, des falsifications de sceaux, infraction prévue et punie par l'article 121 du Code pénal congolais, Livre 2, l'association des malfaiteurs, infraction prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal congolais, livre 2, et d'usurpation des fonctions publiques, infraction prévue et punie par l'article 123 du Code pénal congolais, livre 2. À ce titre,
le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa attire l'attention de la population que une fois que vous vous retrouvez en face de personnes qui peuvent vous contacter en utilisant ce genre de modus operandi, de pouvoir contacter le service de la police tel que le département des renseignements généraux, voire même le service de l'Agence nationale de renseignement, pour que ce genre de personnes, ce genre d'inciviques que nous venons d'arrêter ne puissent plus opérer librement dans la ville de Kinshasa. À ce titre, ces deux inciviques, juste après avoir terminé la présentation, ils seront immédiatement acheminés au parquet de grande instance pour subir la rigueur de la loi. Merci. Mission TV, le miroir du monde.